Au début du mois de mai, un village situé côté italien, Lanzo d'Intelvi, attire les curieux. C'est jour de transhumance. Un troupeau de Haflinger va quitter ses quartiers d'hiver pour regagner les alpages. Ces chevaux de petite taille ont une histoire peu commune. Ils ont d'abord appartenu à un éleveur vivant sur le mont Bisbino, tout proche. À sa mort, en 2002, le troupeau, abandonné à lui-même, est retourné à l'état sauvage et a élu domicile dans les prairies de montagne. Mais lors de l'hiver particulièrement rigoureux de 2009, la faim a poussé les chevaux jusque dans les jardins des villages avoisinants, au grand dam de leurs propriétaires. Des amoureux des chevaux des deux côtés de la frontière ont alors uni leurs ressources pour construire un enclos permettant à la harde de passer l'hiver à Lanzo d'Intelvi. Avec le retour des beaux jours, les Haflinger retrouvent leur liberté et les étendues sauvages. Les animaux connaissent le chemin. Cette transhumance est devenue un petit événement local et de nombreux visiteurs accompagnent les chevaux jusqu'à leur pâturage d'été. La plus noble conquête de l'homme a repris possession de son territoire.